une matinée à plaider sa cause. Tout d'abord, lors de l'assemblée plénière de Toulon Provence Méditerranée, Marc Huillemot a évoqué le risque d'un transfert imminent de la maternité si les anesthésistes désertaient l'hôpital de la Seine. Ensuite, vers 11h, accompagné de représentants des villes de l'Ouest-Var, le maire de la Seine a rencontré devant le préfet le directeur de l'hôpital Toulon-La Seine pour obtenir enfin une réponse sur le calendrier du transfert. Le préfet du Var a demandé au directeur du centre hospitalier de venir répondre en sa présence à la question que j'ai posée. Je crois que les informations qui nous avaient été données étaient donc fondées et en effet, il n'y a plus d'accouchement à la maternité de la Seine à partir de ce soir. Voilà. La raison avancée par le directeur de l'hôpital pour justifier cette décision a laissé perplexe les membres de la délégation. Déménager un service compte tenu du fait qu'un anesthésiste ait déposé hier un congé de maladie, c'est un petit peu hallucinant et difficile à croire. Dès ce soir, les futures mamans de l'Ouest Varois seront dirigées vers l'hôpital Sainte-Musse. Selon la direction, ce transfert aurait déjà dû avoir lieu et la date butoir était donc imminente. Elle aurait pu être légèrement repoussée, mais de toute façon, c'était une question de jours, hein, puisque la décision, encore une fois, avait été encore confirmée par le ministre il y a quelques jours. Donc, si vous voulez, ça aurait pu être effectivement repoussé de quelques jours. Enfin, personne n'aurait rien gagné, de toute façon. Et il est vrai que j'ai dû tenir compte d'une contrainte brutale. Reste pour Marc Huillemot à attendre le 6 avril et la décision du tribunal administratif concernant l'arrêté suspensif de fermeture de la maternité. Mais même en cas de décision favorable, il est maintenant difficile d'imaginer un retour en arrière.